¿no? Que en muchas ocasiones hablamos de que todos podemos tener fobias, sin embargo, en el lenguaje común se entiende, pero cuando los clínicos hablamos de fobias, queremos decir otras cosas. Entonces, voy a intentar que ustedes entiendan para un clínico qué es un trastorno fóbico, cómo se forma una fobia, de alguna manera cómo se integran lo biológico, lo psicológico y lo ambiental para que aparezca el trastorno fóbico, cuál es la eficacia de las diferentes técnicas y justamente en la eficacia de las diferentes técnicas la exposición tiene un papel muy relevante y eso dará pie para que mis compañeros nos expliquen cómo funcionan estas técnicas de exposición utilizando la realidad virtual. Alguien puede preguntar, ¿realmente es tan frecuente tener fobias? Bueno, pues las clasificaciones internacionales, cuando hablan de fobias, consideran que hay como tres grandes apartados dentro de ese gran capítulo de los trastornos fóbicos. Tendríamos las fobias específicas o simples, como la fobia a los animales, la fobia a las agujas, al inyectarse la sangre, fobia a las alturas, a la inmersión en el agua. Luego la fobia social, que muchas veces lo relacionamos con ese temor que a veces una persona puede tener para hablar en público, y luego la agorafobia. Pero por lo que respecta a la magnitud del problema, estudios recientes donde han abordado el problema de cuál es la prevalencia, cuál es el porcentaje de pacientes que tienen un trastorno fóbico a lo largo de su vida, pues como verán, para las fobias a los animales ronda casi el 4% de la población adulta. Es una prevalencia bastante elevada. Para la fobia social está entre el 3,5 y el 5%, y ahí sí que hacemos a veces una diferenciación entre los países desarrollados. Bueno, este es el coste que a veces pagamos los países desarrollados. Hay más fobia social en países como Francia, España, Inglaterra, que en países del tercer mundo, y la agorafobia está en torno al 5%. Por lo tanto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, la presencia de trastornos fóbicos representa, por la dimensión en cuanto a prevalencia, un coste sanitario muy importante. ¿Cómo se crea una fobia? ¿Cómo se forma una fobia? Básicamente, seguramente los que estamos aquí, cuando hemos estudiado lo de los perros de Pavlov, pues entendemos que por condicionamiento, es decir, si una vez, en mi caso por ejemplo, pues cuando tenía 11 años se acercó un perro y casi me muerde, pues condicioné la presencia de un perro con el miedo que pasé cuando lo vi, y esa formación de la fobia entendemos que se ha formado por condicionamiento clásico o pavloviano. Pero también hay veces que uno puede ver cómo alguien está huyendo de un perro y por esa visualización, por ese aprendizaje vicario que se llama, uno puede aprender a huir, a escapar, a tener miedo al perro. Y la última manera de aprendizaje es cuando uno aprende a tener miedo de algo o de alguien porque lee o escucha. Los que han escuchado este fin de semana las noticias en cualquier emisora o en cualquier cadena de este país, habrán escuchado que en un pueblo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pues dos señoras aparecieron muertas por sus perros. Bueno, pues el hecho de escuchar noticias es otra manera también de aprender a evitar, y sabemos que forma parte de la génesis de crear fobias, ¿no? Pero claro, el problema está en que seguramente en París o en Madrid o en Barcelona, pues habrá personas que tengan miedo, fobia a las arañas, y a lo mejor nunca han visto una araña, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar, ¿no?
el que tengamos fobias a animales o a lugares o a cosas que nunca hemos visto. Y esa manera de crear el por qué tenemos fobias a animales que nunca hemos visto, ese tipo de génesis se llama aprendizaje no asociativo. Hace muchos años se dieron cuenta de que por qué no había, por ejemplo, en culturas como la nuestra, más fobias a los electrodomésticos, más fobias a los coches, y sin embargo se mantenían fobias que tuvieron una explicación en nuestra evolución. Entonces, para explicar este tipo de aprendizaje, es decir, que parece ser que desde el punto de vista evolutivo hemos aprendido algo que se ha transmitido de generación en generación, y sería la explicación de algo que sirvió seguramente en el pasado pues para evitar lugares abiertos, o para evitar determinados roedores, o para evitar determinados animales peligrosos. Ese aprendizaje ha ido pasando de generación en generación, y desde el punto de vista evolutivo podríamos explicar de esa manera el por qué todavía tenemos fobias a situaciones o animales que nunca hemos visto, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí cuál es el papel que tienen esos aprendizajes en función de las fobias, ustedes se dan cuenta realmente el condicionamiento clásico, el haber estado en contacto con el estímulo que tememos, realmente explica muy poco de la fobia a los perros, a las arañas, a las serpientes, a las alturas. Y sin embargo, si ustedes se fijan, cuando les preguntamos a los pacientes que tienen fobias, muchos de ellos lo que dicen es: no, yo es que he leído, he oído. De alguna manera lo que viene a decir esta diapositiva es que no es tan importante la presencia del estímulo fóbico para que se genere la fobia, sino que hay una serie de elementos en nuestra cultura que favorecen la aparición de esas fobias. Esta es una diapositiva que lo que intento explicar aquí, si ustedes se dan cuenta, allí aparece un estímulo visual. Imagínense ustedes que van por un bosque ahora, que están tan bonitos en otoño, van por un bosque, van paseando dan un golpe en la tierra y aparece algo que se mueve. Rápidamente lo que nos provoca es una reacción de sobresalto, ¿no? Y todavía no sabemos muy bien lo que hemos visto, pero nos sobresaltamos. ¿Por qué nos sobresaltamos? Pues nos sobresaltamos porque, desde el punto de vista biológico, hay un circuito que llamamos el circuito del miedo, el circuito del pánico, que es esa flecha negra que ustedes ven ahí. Es decir, cuando captamos algo que se está moviendo, rápidamente llega al cerebro y sin procesar esa información muy bien, nuestro cerebro dice: cuidado, esto puede ser terrible, puede ser algo que nos va a hacer daño. Y estimula una zona del cerebro que se llama la amígdala, nos sobresaltamos y nos separamos. Luego lo miramos bien y decimos: pues no es nada, ¿no? Entonces, parece ser que este circuito del pánico, este circuito del miedo, es el que nos ha ayudado generación tras generación, siglo tras siglo, nos ha ayudado a protegernos de aquellas señales ambientales que podrían ser peligrosas para el individuo. Y este circuito del miedo, esta amígdala, parece que está mucho más sensibilizada, es mucho más vulnerable en personas con tendencia a tener fobias que en las otras personas, ¿no? De alguna manera, lo que les vengo a decir es que ¿hay factores genéticos que influyen en las fobias? Sí, de hecho, estudios realizados en hijos de personas con fobias, sabemos que la heredabilidad del trastorno es más importante. Estudios realizados en gemelos nos dicen que también hay un componente hereditario. Incluso hay determinados genes que sabemos que incrementan el riesgo de la presencia de fobias, pero hay también factores ambientales. El haber estado educado en una familia donde cuando, no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando: cuidado, niño, ponte el abrigo, ponte, cuidado, cuidado, pues una mamá o un papá que
que educa a sus hijos con cuidado, 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 ese niño o esa niña se cría en un ambiente donde considera que hay muchas cosas peligrosas a su alrededor. Es un factor que también puede influir. Las expectativas que tiene el sujeto de qué es lo que puede ocurrir con tal o cual acontecimiento también puede ser importante. Les decía a ustedes que no todos los que tenemos un temor fóbico aquí, que seguramente somos muchos, yo el primero, tienen un trastorno fóbico. Para que haya un trastorno fóbico se tienen que cumplir una serie de criterios. El primero es que el miedo que uno tiene sea un miedo irracional. Muchas veces usted habrá oído, ¿no? Si ya sé que no va a pasar nada, pero no puedo, si hay un ratón no puedo entrar, si hay una araña no puedo entrar, me siento incapaz de hablar en público, ya sé que es absurdo, pero no lo puedo hacer. El miedo irracional, el miedo ilógico. Y luego las conductas de evitación. Generalmente una persona con un trastorno fóbico evita enfrentarse a la situación, al objeto fóbico. Y luego el elemento fundamental, y es este miedo que yo tengo y esta conducta de evitación, ¿cuánto me está dificultando mi desarrollo en mi vida personal? Porque hay personas que pueden tener muchísimo miedo a volar, no volar nunca, pero viven en cualquier pueblo de nuestra de Madrid, de Cuenca, de Albacete, y no tener ningún problema nunca. Por tanto, para que podamos diagnosticar el trastorno fóbico necesitamos el miedo racional, una conducta de evitación y, por supuesto, que le genere problemas en su vida cotidiana. Eso es muy importante porque yo creo que los clínicos tenemos la obligación de explicarle a nuestros pacientes qué es lo que la ciencia dice sobre la eficacia de los tratamientos. Y yo creo que por eso están aquí mis compañeros, porque si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva he distribuido los diferentes tratamientos conductuales aquí, tratamientos cognitivos, cognitivo-conductuales y terapias psicoanalíticas. Aquí ven ustedes el tipo de técnica, si hay estudios controlados frente a otra técnica o frente al placebo, el grado de eficacia y algunos comentarios. Y si ustedes se fijan en las tres primeras apartados, exposición en vivo, desensibilización sistemática, exposición en la imaginación o virtual, son las técnicas más eficaces, las que tienen más estudios controlados, las que tienen un mayor nivel de eficacia. Por lo tanto, lo que sabemos es que hoy lo que nos van a presentar nuestros compañeros, nos van a presentar una técnica que tiene estudios controlados, que ha demostrado un elevado nivel de eficacia. Y en el libro también me disculpo con algunos compañeros que tienen una orientación psicoanalítica, pero tienen que entender que las técnicas psicoanalíticas nunca se han utilizado estudios controlados, y aunque algunos nos dicen que son eficaces, pero la ciencia, el método científico no puede avalar este tipo de abordajes. Bien. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y por qué la exposición, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se consigue exponiendo un sujeto a un estímulo fóbico? Se consigue la extinción del miedo, la extinción de la evitación. Miren, en la vida real, cuando yo, por ejemplo, me enfrento a un estímulo fóbico, a un perro, por ejemplo, lo que rápidamente se provoca en mí una respuesta de miedo, y aparecen una serie de ideas, de condiciones. No lo voy a poder soportar, tengo que huir, seguro que me muerde. Eso provoca que me vaya, ¿de acuerdo? Y eso incrementa el miedo para la próxima vez. ¿Qué ocurre cuando los pacientes, con el doctor Gadea, qué ocurre cuando un paciente se expone al estímulo fóbico, se pone en tratamiento con técnicas como las que nos van a comentar aquí? Se expone, por supuesto que el sujeto nota la sensación de miedo, pero el individuo lo que se da cuenta es que nada de lo que estaba pensando, me voy a morir, es inaguantable, mi corazón me va a estallar, nada de lo que está pensando le ocurre. Por tanto, empieza a haber una confrontación entre una serie de
cogniciones antiguas, es insoportable, me voy a morir, y una serie de condiciones actuales, no pasa nada, lo estoy pasando mal, pero ni me muero, ni se me sale el pecho, ¿no? Entonces, esa especie de la aparición de nuevas condiciones son las que provocan que el sujeto cada vez evite menos y se vaya reduciendo el miedo. De tal manera que cuando termina el tratamiento con ellos, los pacientes se exponen al estímulo condicionado, claro que hay un ligero temor. Y eso los terapeutas tenemos que saber explicar a nuestros pacientes que el miedo no se va a ir, pero el miedo va a ser soportable. Entonces, el paciente se expone a la situación, la respuesta del miedo es muy débil, las condiciones, no me pasa nada, ves, lo puedo soportar, son cada vez más importantes y el sujeto, lo que es fundamental, deja de evitar la situación fóbica y, por tanto, el miedo disminuye. Por tanto, y ahora dejo a mis compañeros las conclusiones y lo que me gustaría haberles transmitido es las fobias como trastorno, no como miedo que todos podemos tener, las fobias como trastornos tienen una elevada prevalencia en nuestra cultura. El problema fundamental es que muchas veces los pacientes no suelen consultar por sus fobias porque como evitan, y como evitan no se sienten muy mal, pues tanta evitación solamente consultan cuando realmente tienen dificultades para adaptarse a su vida cotidiana. Por tanto, es un problema importante de salud. El aprendizaje explica, tanto el asociativo como el no asociativo, explica la génesis de las fobias. La evitación es el factor fundamental para la cronificación, para el mantenimiento de las fobias. Las técnicas conductuales, como la realidad virtual, basadas en la exposición, son las más eficaces. La ciencia dice que son las más eficaces. Y luego, la extinción se consigue exponiéndose y evitando las conductas de vida. Por tanto, yo creo que estamos en un buen lugar, en un buen foro, para escuchar los resultados. Yo he estado viendo antes una demostración y les prometo, yo no tengo mucha fobia a las alturas, pero casi me asusto, ¿no? Entonces, yo les daros las gracias por estar aquí y espero que esta introducción nos pueda servir para entender la eficacia de este tipo de técnicas. Eso es todo, muchas gracias. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, donc avant de commencer, merci à l'Institut français de cette invitation. Je suis vraiment content et honoré d'être parmi vous. Et surtout, c'est vrai que le fait de voir un psychiatre venir parler justement de la dictologie, j'espère que ça sera très très clair. Donc, au fait, merci. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'intervention en fait précédente. L'addictologie, actuellement, ce n'est plus l'alcool, les drogues. C'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de concepts d'addictologie, de conduite addictive. Et c'est vrai que dans ma présentation aujourd'hui, j'espère qu'elle va être rapide, je vais survoler les éléments les plus importants que j'ai intitulé « On passe de la substance presque au comportement addictif ». Donc, c'est vrai que ce qu'il faut savoir actuellement, donc, puisqu'on sort de ce concept un peu de mono-addiction, d'alcool, toxicomanie, c'est une maladie primaire et c'est une maladie chronique, comme pourrait l'être le diabète, l'hypertension artérielle, d'origine neurobiologique avec des facteurs génétiques, psychosociaux et environnementaux, ce qui fait que, actuellement, ce n'est pas uniquement quelque chose où on va tomber par rapport à une certaine faiblesse, par rapport à une certaine vulnérabilité, il y a quand même un concept. Actuellement, on peut parler de maladie addictologique et maladie chronique. Quand on parle de maladie chronique aussi, c'est vrai que c'est une maladie qui peut être en rechute. Et ça, c'est des éléments qui sont très très importants par rapport à certaines familles, de voir un patient addict à l'alcool qui peut rechuter à certains moments. Ça peut ne pas être de sa faute uniquement ou qu'il soit faible, mais ça peut être au fait d'une vraie vulnérabilité biologique qu'on est en train de voir. Actuellement, on parle beaucoup par rapport aux éléments communs de toute conduite addictive, un contrôle altéré. Quelqu'un qui ne peut pas contrôler une consommation,
où le fait d'agir vers un comportement, c'est vrai que c'est un manque un peu de contrôle, qui est certainement d'ordre cortical cérébral, comme on va le voir. Une utilisation compulsive, c'est-à-dire il ne peut pas se retenir, il ne peut pas différer l'envie de faire quelque chose, et puis une utilisation continue, malgré qu'il sache que ce n'est pas très bon, soit pour la santé, soit par rapport à un certain abus. Et puis, on parle beaucoup de craving, et actuellement, c'est un terme qu'il faut retenir. Le craving est une forme de compulsion en français. Au fait, c'est quand on ne peut pas se retenir. Et c'est vrai qu'il y a un terme en français, le fait que de dire « j'ai fait cela malgré que je ne voulais pas », c'est à l'encontre de mon plein gré. Ça peut aller jusqu'à ce point de dire effectivement « je ne me suis pas retenu à l'encontre de mon plein gré ». Et c'est pour ça qu'actuellement, ce concept a été repris par beaucoup de sociétés savantes. C'est la société américaine qui l'a introduit. Actuellement, donc, il l'a introduit dans les classifications, en fait, internationales. Les dépendances, d'une façon générale, elles ne sont pas uniquement physiques. Quand quelqu'un manque d'alcool, c'est vrai qu'il peut se réveiller en tremblant. Et seulement l'alcool peut lui faire partir justement le tremblement. Mais on peut avoir aussi, et surtout, une dépendance psychologique. Et dans cette dépendance psychologique, c'est vraiment le fait d'avoir ce côté, au fait, craving, qui est une sorte un peu d'obsession qu'on a dans la tête du matin au soir. Et la seule chose qui peut faire passer cette obsession, c'est d'agir, d'aller passer à l'acte, d'aller consommer ou d'aller vers le côté comportement qui puisse assouvir une certaine tension. Et ça, c'est vraiment quelque chose maintenant qu'on retient et qu'on essaie d'expliquer à beaucoup de patients qui viennent au fait consulter. Si on retrace, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral? C'est le côté macroscopique. Au niveau de toutes les conduites addictives. Et au niveau de toutes les conduites addictives, maintenant on sait qu'il y a le circuit de récompense qui est généré par un neuromédiateur qui est vraiment le même pour tout type d'addiction. C'est la dopamine, c'est le circuit de dopamine. Et là, effectivement, si on décortique un cerveau d'une façon générale, on voit bien que le côté contrôle il est régi par le cortex préfrontal. C'est ce cortex qui est au niveau frontal qui génère le fait de se retenir ou le fait de passer à l'acte. Si on va plus en profondeur d'un point de vue cérébral, on va vers le côté noyau accumbens et c'est là qu'on retrouve un peu le centre des récompenses, le centre justement de plaisir. Un peu comme si ce centre gère ce côté beaucoup plus sensible où on peut ressentir des choses, ce qui provoque un peu justement le plaisir. C'est vrai pour beaucoup d'auteurs et pour beaucoup de neurobiologistes, il parle avant tout du circuit de plaisir avant de parler de circuit d'addictologie. Au fait, cela revient à dire, les gens qui vont devenir addicts, c'est des gens qui ne sauront pas gérer le plaisir. Et c'est vrai que quand on parle un peu de plaisir, qu'il faut qu'il soit un phénomène fugace, éphémère, survenant à un certain temps, c'est des gens qui vont essayer de reproduire le plaisir tout le temps. Mais on ne peut pas vivre avec du au fait plaisir, parce que l'hyperplaisir va conduire un certain au fait plaisir et un certain dégoût. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas gérer. Et le cerveau, il est là pour gérer, réguler les choses. Ce côté amygdalien, hippocampe, c'est vrai que c'est ce qui gère un peu le côté encore beaucoup plus sensible, il est beaucoup plus en profondeur au niveau au fait cérébral. Et l'hippocampe, c'est l'organe mnésique qui va retenir les effets, le bien-être qui ont été ressentis par rapport à l'apport d'un produit ou d'un comportement pour que le cerveau redemande encore le même effet de bien-être, soit pour soulager une tension interne, soit pour demander une excitation encore plus en fait, importante. Et l'aire tegmentale en fait, ventrale qu'on voit ici en vert, c'est celui qui va gérer finalement tout le côté motivationnel, le côté désir. Si je désire quelque chose, c'est vrai qu'avant d'agir, justement avant de passer à l'acte, il y a un système un peu de contrôle qui va faire face et qui va contrôler pour différer les choses. En gros, là vous voyez bien, c'est-à-dire toujours dans un schéma microscopique, donc ce circuit de récompense, un sujet addict finalement, il va passer directement de l'action à la sensation en évitant ce côté sentiment et émotion. C'est-à-dire le côté émotionnel, il va être beaucoup moins ressenti. Ce que cherche quelqu'un d'addict, c'est directement l'effet sensationnel. Sans passer par ce côté sentimental de dire je passe devant une boulangerie, je vois un très bon gâteau au chocolat, mais au lieu de me dire c'est pas le moment, je vais l'acheter à la sortie de mon travail pour le manger ce soir, pour manger pendant justement le dessert,
c'est quelqu'un qui va l'acheter de suite, il va le consommer de suite, sans pouvoir avoir un effet de contrôle. Et c'est exactement ça, ce manque de contrôle pour chercher. Il n'y a pas le côté sentimental de dire, ou l'émotionnel, c'est très bon. Effectivement, j'en ai goûté, ça m'a procuré un plaisir immense, mais ce n'est pas le moment. Je vais l'acheter pendant ce week-end, par exemple, je ne travaille pas samedi, dimanche, je vais faire plaisir avec tout le côté familial. Et c'est exactement comme ça qu'il faut voir comment peut fonctionner un être au fait addict. Si maintenant on représente les choses, là je vous ai montré un cerveau, si je montre maintenant une connexion interneuronale, c'est-à-dire entre deux cellules cérébrales, ce qui se passe, quel que soit le produit, on voit le tabac, cannabis, alcool, héroïne, elles vont toutes agir au niveau d'un récepteur, et ce récepteur, justement, donc il va sécréter essentiellement une hyperdopaminergie qui va passer sur l'autre cellule, et cette connexion intersynaptique va créer un effet justement de bien-être. C'est vrai qu'il manque quelque chose, c'est tout cet effet des endorphines qui peuvent agir aussi au niveau d'un certain en fait, plaisir. Cet effet de bien-être va être mis en mémoire, comme je vous le disais. Après, soit c'est une motivation qui va provoquer, qui va demander encore, je veux encore, ou bien c'est un effet de stress qui peut provoquer aussi de dire je veux un effet de bien-être, c'est-à-dire un apaisement de tension, ou bien une recherche d'une certaine excitation. Et c'est de cette façon, justement, donc là, qu'on voit qu'un être addict, il peut être, en fait, représenté. Ce que je vous montre ici, comment, dans cette salle, par exemple, on est assez nombreux, qui d'entre nous va être plus addict qu'un autre? En fait, c'est vrai que c'est bien déterminé d'un point de vue génétique, certes, mais il y a trois choses. Il y a la personnalité de chacun d'entre nous, et cette personnalité, on peut avoir beaucoup de vulnérabilité, et d'un point de vue génétique, et d'un point de vue de comment on a été éduqué dans un contexte culturel, sociétal, quels sont les interdits, quel est le mode d'éducation, une éducation rigide, une absence d'une autorité paternelle, par exemple, qui vient de représenter la loi. Et puis le produit, il y a des produits qui sont plus addictogènes à d'autres. Par exemple, on a pendant longtemps cru que c'était la cocaïne qui était le produit le plus addictogène, qui pouvait générer une addiction sans qu'on ait une vulnérabilité. Mais actuellement, l'avancée des sciences, on a montré que ça serait plutôt le sucre qui serait plus addictogène. Le sucre, on en consomme tous. Le sucre est plus fort d'un point de vue de la cocaïne, de son pouvoir addictogène. Donc effectivement, on ne peut pas être tous addicts de la même façon. Et c'est pour ça qu'il y a des facteurs de vulnérabilité qu'on peut maintenant, quand on reçoit un patient, d'essayer d'étudier l'histoire de chacun, la chronobiologie de chacun pour déterminer les possibilités ou pas. Je passe rapidement maintenant par rapport aux produits. C'est vrai que l'OMS, et puis donc on a quantifié le nombre de verres d'alcool autorisés. Ça ne veut pas dire quand on boit plus de 3 verres d'alcool pour un homme qu'on est alcoolique, c'est le seuil déterminé pour être en bon état de santé. 2 verres pour la femme, c'est pas pareil d'un point de vue au fait génétique là aussi. Et généralement, un verre égale 10 grammes d'alcool. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est très très important, jamais seul, c'est-à-dire on ne peut pas consommer de l'alcool seul, jamais tous les jours, il faut laisser presque le foie reposer un peu pour se désintoxiquer quelque part, et boire de l'eau, parce que l'eau c'est très très bon aussi, et jamais quand ça va mal. Parce que quand on boit l'alcool quand ça va mal, là il y aura un effet automédicamenteux, un effet anxiolytique et même un effet antidépresseur, et c'est comme ça que pourrait commencer une addiction, malheureusement. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire aussi tous les chiffres qui sont liés par rapport à l'alcool, parce qu'il faut savoir qu'une consultation sur 5, donc toutes les consultations de médecine générale ou de spécialité, elles peuvent être dues à l'alcool, avec un nombre de décès extrêmement important, et c'est vrai qu'avec un nombre d'alcoolodépendants extrêmement important en France, en Europe, mais qui sont sous-représentés malheureusement, parce que comme on le sait, il y a beaucoup d'alcoolodépendants qui sous-estiment ou qui sont dans un phénomène un peu déni. Le tabac. Le tabac, c'est vrai qu'on essaye de rappeler aux jeunes, aux moins jeunes, c'est une vraie drogue. Et c'est vrai que la nicotine, au fait en elle-même, c'est une sorte de... Elle a une puissance neurochimique qui est extrêmement importante. Elle a plusieurs mécanismes, elle agit à plusieurs niveaux, et c'est pour ça que, par exemple, tabac, nicotine, on ne peut pas l'associer à la ventoline, qui est le bronchodilatateur au niveau de l'asthme, certains antiacides, pour certains
jouissez-vous. Et c'est des choses, justement, donc là, qu'on ignore encore jusqu'à au fait maintenant. C'est vrai qu'il y a une pharmacodynamique incomparable, et c'est vrai que surtout ce qu'il faut savoir, l'effet du tabac, c'est que ça peut calmer certains d'entre nous quand ça va mal, mais ça peut exciter quand on est plus fatigué, ça nous booste, ça nous excite, ça nous stimule. Et c'est l'une des seules molécules qui a ce double pouvoir, finalement, qui peut agir, d'où aussi son potentiel addictogène qui est extrêmement, en fait, important. Et enfin, un mot sur le cannabis, c'est vrai qu'il est sous-estimé par nos jeunes. Il y a beaucoup qui parlent de drogue douce. Or, les effets, ils sont extrêmement importants. Ce qu'il faut savoir maintenant, pour avoir du bon cannabis qui est vendu sur le marché, il faut avoir la teneur en THC, le THC qui est le produit actif, qui soit le plus élevé. Et là, comme vous le voyez par exemple, dans les 20 dernières années, le taux de THC, il a augmenté de 5 à 22% et même parfois plus, ce qui est quand même un produit extrêmement actif, donc très addictogène aussi. Alors, un autre mot aussi, d'un point de vue de la santé au fait public, c'est vrai que le THC est très cancérigène. 3 fois plus de cancers de WC bronchopulmonaires aussi qui sont importants. Ça, c'est pour la santé publique. Et ça, c'est des messages qu'on essaie de renvoyer à nos plus jeunes pour qu'ils essayent de voir un peu comment ça se passe. Encore un mot sur le cannabis qu'on essaie de travailler dans nos au fait régions, c'est que pour les consommateurs, ça a un effet délétère sur le système nerveux central. Il y a une chose qui est importante par rapport à toutes les addictions, c'est qu'un cerveau humain finit par se structurer complètement à l'âge de 25 ans. Ce n'est pas 18 ans. Jusqu'à l'âge de 25 ans, un cerveau n'est pas complètement fini. Et donc, les gens qui consomment avant cet âge de 25 ans, ils peuvent avoir des troubles irréversibles d'un point de vue neurocognitif. Et là aussi, c'est un message extrêmement important qu'on essaye de délivrer par rapport aux populations d'une façon générale. Maintenant, les addictions comportementales. Les addictions comportementales, c'est vrai qu'on a des critères de classification qui sont au-delà, justement, de ce qu'on a vu. Par exemple, c'est la définition selon Fred Goodman. Goodman, on l'a vu tout à l'heure. Il y a le craving, le manque de contrôle, qui reviennent, qui sont les principaux en fait, éléments. Là, on peut voir les critères de dépendance à l'exercice, au sport, au bodybuilding. On peut avoir des addicts à Internet. Et là, jusqu'à dire, nos enfants, à l'heure du numérique, je vous ai représenté ici une famille numérique, c'est-à-dire une maman qui est dans sa cuisine, qui appelle le mari qui est sur son ordinateur, les enfants qui sont sur l'ordinateur, à l'ordi à table, à leur envoie un mail pour qu'ils viennent tous manger en même temps. Voilà ce que représente le monde d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est dans une société numérique. Et la société actuelle, moderne, rapide, qui consomme, qui exige une certaine performance, c'est vrai que c'est une société de consommation, donc c'est une société addictogène. Je pourrais vous parler aussi du craving de Facebook, par exemple. Facebook, ça a été déterminé par des études. On peut faire une vraie addiction à la consommation de réseaux sociaux. En France, par exemple, on a déterminé chez les moins de 15 ans, ou 15, en fait 16 ans, c'est qu'ils ont au moins 3 réseaux sociaux sur leur smartphone. Et c'est vrai que c'est des consommateurs un peu de réseaux sociaux. Pour les plus faibles d'entre eux, on peut parler justement donc là d'addiction. Un mot sur le côté alimentaire, c'est vrai qu'on pourrait faire aussi des addictions alimentaires, comme on le voit ici. Par contre, pour faire une addiction alimentaire, il faut des aliments riches, gras. C'est des aliments qui peuvent monter au niveau du système nerveux central. On ne peut pas faire une addiction à la salade, une addiction au chou vert. Je ne pense pas que quelqu'un me dise « j'ai fait une boulimie à la salade, c'était très très bon ». Il faut des éléments qui sont riches en sucre pour qu'ils puissent monter au niveau cérébral pour que ça soit bon. Là, il y a des expériences neuro-imagerie qui nous montrent ça. Donc, il y a un niveau de preuve scientifique qui nous montre ça. Il y a aussi, quand on compare aux classifications internationales entre une dépendance à l'alcool et une boulimie nerveuse, on retrouve les mêmes caractéristiques. Et puis, il y a des articles maintenant scientifiques qui parlent d'addiction au sucre avec des expérimentations, certes encore animales. Il nous manque encore un modèle humain pour arriver au niveau de preuve de dire qu'on peut avoir une addiction au sucre chez l'humain, mais ça va arriver avec le développement de la science maintenant jusqu'à maintenant. On a un test, on peut s'auto-tester pour voir si on fait une addiction au sucre. C'est un test qui a été au fait validé, je pense validé en plusieurs langues aussi, et on pourrait voir. Donc,
Un mot sur la prise en charge, ce que je peux vous dire, je ne vais pas détailler, c'est que c'est une prise en charge qui est assez longue. Elle prend du temps. Parce que, je vous ai dit, c'est une pathologie chronique, c'est une pathologie à rechute. Donc c'est vrai qu'il faut du temps, on l'explique aux patients, on l'explique à leur famille, qu'une rechute est toujours possible. Et enfin, je voulais vous parler d'une autre addiction sur laquelle on travaille en ce moment. On n'a pas tous les éléments de preuve, c'est les addictions en série. C'est les binge-watching. Si devant un épisode, vous pouvez manger, cuisiner, vous laver, ranger votre appartement tout en regardant une série, si vous avez déjà passé des week-ends entiers à regarder une série, tout un épisode, peut-être plus, si votre vie sans série vous semble fade, c'est vrai qu'avec toutes les séries que vous voyez ici, vous en avez au moins vu une à deux, et on a essayé de calculer le nombre d'heures. Si vous avez regardé deux à trois séries, avec trois saisons maximum, c'est que vous avez passé plus de 1500 heures devant votre écran de télé, ce qui est quand même assez considérable. Donc, voilà. Donc, je vous laisse découvrir Walking Dead, parce que vous avez déjà tout prévu en cas d'invasion de zombies. Netflix est pour vous l'invention du siècle, pour beaucoup d'entre nous. Et enfin, pour revenir maintenant aux applications, là, je vous ai montré que le côté technologique était quelque chose d'extrêmement important dans notre société, pour les jeunes et les moins jeunes. C'est vrai qu'actuellement, c'est vrai qu'on sait beaucoup de la technologie et c'est pour ça qu'on travaille avec la réalité virtuelle qui a montré une aide appréciable au niveau de la prise en charge des addictions. Là, c'est les premières expériences à Melbourne, à Houston, avec des articles qui ont été donnés. Certes, c'est vrai que le niveau de preuve de la réalité virtuelle est beaucoup plus appliqué pour les phobies. C'est là qu'on a commencé à le faire. Mais maintenant, on arrive par rapport à des conduite addictive, et notamment on mesure ce qu'on appelle ce côté craving, de diminuer le craving, de diminuer l'envie d'aller vers, et c'est vrai que ça peut être aidé par un univers virtuel pour que ça puisse se faire. Là, c'est juste l'un des derniers articles aussi qui montre l'intérêt dans beaucoup de pathologies mentales, avec une revue de littérature la plus récente, qui montre encore son intérêt, et qui demande encore d'autres études pour bien identifier les choses. Justement, par rapport à notre protocole de réalité virtuelle dans mon service en addictologie CHU de Nice, c'est des groupes de 5 personnes, avec une personne qui porte le casque et les autres qui voient sur écran, comme vous le présentez Pierre, la projection sur écran simultanée, l'exposition aux produits, aux comportements addictogènes, c'est l'alcool, donc on va travailler sur l'alcool par exemple, on refait une scène, ils sont dans un bar ou dans une fête où il y a de l'alcool, les gens fument. Et puis on voit la personne, est-ce qu'elle va se contrôler ou pas? Est-ce qu'elle va aller consommer? Eh bien, on essaye de la faire parler, on essaye de mettre des mots, de l'émotionnel, un certain sentiment pour dire « c'est bon, je veux y aller ». Et les 4 personnes aussi qui regardent, après coup, ils peuvent participer pour faire un débriefing sur les tentations, stratégie d'évitement, et puis surtout mesurer leur propre craving, de dire « c'est là où je ne peux pas dire non, c'est là où je vais réfléchir ». Ensuite, on fait, juste après ça, des séances de relaxation, toujours avec la réalité virtuelle, parce qu'il y a des programmes de relaxation, et là, généralement, les gens redescendent. Donc, après une exposition qui est une sorte d'une hyperstimulation, on les fait redescendre par une relaxation. Généralement, c'est 2 séances par semaine, et ce, pendant 6 semaines, qui est tout le programme, et ça donne de très bons résultats, aussi comparables aux thérapies cognitivo-comportementales qui sont connues, ou bien plus qu'on sait gérer, qu'on sait accepter par les patients. Par contre, c'est en cours d'évaluation parce que c'est une étude qu'on va faire avec les autres CHU en France, avec l'aide de la société de Pierre Gadea, qui vont nous aider à faire plus. Et je vous remercie. Après deux grands orateurs, le docteur Farid Chérif et le professeur Robio, c'est un exercice qui va être très difficile, mais je vais essayer de pouvoir vous parler de la réalité virtuelle, on a vu quels étaient les dangers du numérique. On a parlé d'addiction aux séries, on a parlé d'addiction aux écrans, on a parlé d'addiction aux réseaux sociaux, mais aujourd'hui, moi ce que je voudrais parler, c'est comment le numérique peut être aujourd'hui un atout dans la prise en charge et dans le soin des patients.
See to care, en anglais ça veut dire see to care, voir pour soigner. Ou la réalité virtuelle au service de la santé. Je remercie Alibio de nous accueillir, aussi Laurence Cossa et Guy Danino. Hein, merci beaucoup de nous avoir invités. Et vous tous à l'Utan de Madrid de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, rentrons dans le vif du sujet, ça va se passer en deux étapes. Peut-être une petite dizaine de minutes hein, sur les slides, je ne sais pas vous avez les slides. Et après on fera une expérimentation, ce qu'on appelle un live test, hein, une expérimentation en live, qui va vous permettre de jauger quelle peut être l'efficacité de la réalité virtuelle et les sensations qui peuvent arriver. Je commence souvent mes présentations par cette statistique. Hein. Il y a aujourd'hui 450 millions de personnes qui souffrent de troubles mentaux dans les pays développés à travers le monde. Et sur ces 450 millions de personnes, deux tiers n'iront jamais se faire soigner. Et sur ces deux tiers, sur le tiers qui va rester, il y en a seulement une vingtaine de pourcents qui vont aller consulter un spécialiste des maladies mentales, psychiatre ou psychologue. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, des fois, dans la profession, au niveau de la psychiatrie, il y avait un besoin peut-être de modernité, de se renouveler, d'attractivité. Et la réalité virtuelle est l'une de ces possibilités de modernité. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour parler des interactions aussi entre l'homme et la machine. La réalité virtuelle ne soigne pas. La réalité virtuelle est un outil pour les médecins, pour les psychologues, pour avoir, en complément d'une thérapie, va pouvoir donner des résultats. Un mauvais thérapeute avec un casque de réalité virtuelle restera un mauvais thérapeute. Il faut être clair, il n'aura pas de résultats. Ce n'est pas un outil magique, s'il n'y a pas le savoir-faire des médecins, des équipes qui travaillent avec la recherche, qui font évoluer les outils. Il n'y aura pas de résultat. Bref, tout ça pour en venir sur l'exposition in vivo. Comme l'a si justement précisé le professeur, l'une des meilleures méthodes pour se débarrasser de ces phobies, de ces troubles du comportement alimentaire ou de cette addiction, c'est de pouvoir se confronter à ces stimuli de peur, d'envie, de craving, etc. Donc, pour faire une exposition à un ascenseur, c'est facile. Vous sortez de la salle, quand vous êtes médecin, vous avez un ascenseur, vous exposez. Mais par contre, pour l'exposition sur la toile de l'avion, à part au Qatar, où il y a les moyens, il pourrait se faire soigner, on ne pourrait pas se faire soigner. Donc, on a reproduit les thérapies par exposition in vivo, dans le réel, en in virtuo. Comment ça se passe? Eh bien, c'est exactement de la même manière que les thérapies par exposition in vivo, dans le réel. Le médecin va donner 5 séances pour apprendre à comment on gère son anxiété. Et on nous a bien expliqué le schéma de fonctionnement de l'anxiété sur comment un patient va, par des méthodes de psychoéducation, pouvoir avoir un comportement adapté face à une situation qui lui paraît complètement irrationnelle. Puis après, une fois que cette psychoéducation sera faite, il va y avoir une séance d'exposition. Une exposition qui se doit d'être graduelle. Très important la graduation. Quelqu'un qui a peur de l'avion, on va éviter de le mettre directement dans les turbulences, simuler un vol avec une pluie, un crash, vous savez, les turbulences, vous savez, celles qui nous tordent un peu les voyous. Je vois ce que certaines savent de quoi je parle. Non, on va commencer dans le schéma à la préparation des bagages, au trajet entre l'aéroport. Entre le domicile et l'aéroport. C'est là où commence à monter l'anxiété. Puis après, on va passer les contrôles de sécurité. Est-ce que vous imaginez si tout ça devait se faire avec un médecin? C'est pas possible. On n'a pas le temps, pas les moyens. Ça serait dans une médecinerie. Et c'est ce que permet aujourd'hui de faire la réalité virtuelle en toute confidentialité dans un cabinet. Aujourd'hui, au niveau de la France, Tougar est présent chez 350 cabinets libéraux, 75 hôpitaux et cliniques et travaille avec une trentaine d'hôpitaux universitaires. Et j'espère que nous aurons le plaisir de pouvoir collaborer ensemble sur des études en interne. C'est plus de 15 000 patients
qui ont été traités. Dans quoi on travaille? On travaille sur les phobies, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, la rééducation, hein, la physio, et la relaxation. Tout à l'heure, le docteur Farid Chérif a parlé qu'il était important de pouvoir relaxer le patient, pour qu'il soit bien, pour qu'il ait ses méthodes. Et on utilise la relaxation. On va plus loin. On travaille sur un concept aussi d'hypnosédation. On utilise l'hypnose en service d'oncopalliatif en fin de vie pour aider les patients à diminuer la douleur. Aujourd'hui, faute de temps, on va parler de deux sujets. On va parler des phobies, hein, et notamment des addictions. Les phobies, praticité. J'en ai parlé au cas des patients de au cabinet. Une graduation dans les environnements. Il n'y a pas d'inconnu. Je me souviendrai toujours d'une médecin psychiatre, une médecin parisienne qui avait suivi qui avait pris en charge une patiente en thérapie par exposition in vivo dans le réel, une personne qui avait été traumatisée et qui était devenue agoraphobe suite aux attentats de Paris. Et à force de temps d'arriver à une exposition, elle était arrivée à faire de l'exposition dans le réel, c'est-à-dire de se déplacer avec sa patiente dans le métro. Et là, patatras, il y a eu un sans domicile fixe qui s'est mis face à sa patiente au sein du métro, qui l'a fixé et qui s'est mis à hurler. C'était un imprévu. Ça lui arrivait une fois dans sa vie. Mais le réflexe du médecin a été de dire « J'ai quelque part renforcé, peut-être en travaillant tant bien, j'ai renforcé la peur de mon patient. » À cause de cet imprévu. Ça ne peut pas arriver en réalité virtuelle. Parce qu'on a le contrôle sur tout. Vraiment sur tout. Il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, au niveau de la sécurité, d'aller prendre la route avec un patient qui a une peur phobique de conduire, qui peut avoir une relation totalement disproportionnée, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Et ça, aujourd'hui, la réalité virtuelle permet de pouvoir le gérer. Donc si tout drive, hein, j'en ai parlé, hein, sur la conduite, je viens de citer l'exemple, hein, vous savez, vous pouvez à la fois paramétrer les tunnels, vous voulez pouvoir paramétrer le temps, le nombre de voitures, est-ce que je veux qu'il y ait des camions, mais on peut aller plus loin. Dans les protocoles qui ont été demandés de faire par le service, on va demander de faire au bord de l'autoroute un cimetière pour évoquer la mort, pour travailler sur les effets. Pour aller plus loin. Et ça, c'est des solutions qui sont possibles uniquement avec le virtuel. Alors, sur l'addiction, c'est différent. On est dans une prévention de la rechute. On est comment je vais apprendre à mon patient à être dans un comportement d'évitement à la sortie. Est-ce que vous savez le pourcentage, selon les études en France, je parle de la France, je ne sais pas les chiffres mondiaux, de réadmission en service hospitalier suite à des addictions sur des patients qui sortaient de cure. Le chiffre de réadmission, et je pense que je dois avoir de nombreux dentés dans les services, est de 68%. C'est-à-dire 68% des patients qui ont été admis pour une cure sont réadmis en service addicto. Parce qu'ils ont rechuté. Ils ont rechuté pourquoi? Parce qu'ils pouvaient être sevrés à partir du moment donné où ils étaient couponnés, choyés, pris en charge, soignés, et qu'ils n'étaient pas confrontés aux produits. Forcément, ils ne sont pas confrontés à ce produit qui ne surstimule pas l'amygdale, qui ne déclenche pas ce fameux craving dont a parlé le docteur Fischel. Donc forcément, ils sont sevrés. À partir du moment donné où on les remet dans des tentations, ça peut être de l'image réelle, un bar, ça peut être face à un produit, ou ça peut être face à des situations stressantes. J'ai été stressé parce que j'ai attendu ou parce que j'ai eu une peur de parler en public, on a travaillé avec une phobie. À ce moment-là, ça déclenche ce craving et cette envie de consommer. Les troubles du comportement alimentaire, on en a parlé, ils font partie des addictions également, et tous les programmes de relaxation. Voilà, je préfère ne pas être trop long au niveau de la présentation des slides, passer directement à une démonstration en direct, hein.
Est-ce que l'un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, auraient une éventuelle peur du vide dans la salle et qui serait d'accord de servir de cobaye pour une démonstration? Madame, s'il vous plaît. Très courageuse. Bravo, messieurs. Hein. Félicitations. Je viens me rejoindre pour parler français, madame, ou français-espagnol, donc pour la traduction. Très bien, vous inquiétez pas, il y a un grand professeur et un médecin spécialisé. En cas de crise de panique, on va pouvoir la gérer. Venez, s'il vous plaît. Alors, comment ça se passe? Alors, vous allez, je vais vous demander de vous mettre bien au milieu, s'il vous plaît. Vous allez vous mettre dans ce sens, face au capteur. Je vais vous mettre au, vous mettrez bien au milieu des capteurs. Au niveau du matériel, deux capteurs. Un qui voit les mouvements de la tête, d'accord? Et un qui voit le mouvement des mains. Je vais vous mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête. Non, vous pouvez le garder. Pour avancer, vous aurez deux manettes et vous appuierez uniquement derrière, comme ceci. D'accord? C'est-à-dire, vous prenez le grand main. Ici, voilà. C'est ça, vous mettez votre pouce, vous pouvez le mettre où vous voulez, comme ça l'aide. Vous ne me touchez pas ces boutons-là. D'accord? Hein? Et vous touchez vraiment derrière. Donc, je vais vous les redonner après, c'est juste pour les ayez en main. La familiarité. Les premiers moments sont désagréables pour l'oreille. Donc, vous allez appuyer de manière saccadée, au lieu de rester comme ça pour avancer. Vous allez appuyer de manière saccadée, clac, 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 pour avancer. D'accord? Vous comprendrez dans l'environnement. Vous voulez aller à droite, vous regardez à droite, tout simplement. Vous voulez aller à gauche, vous regardez à gauche, mais vous tournez avec tout votre corps. Hein, d'accord? Ça sera vraiment tout simple. Et moi, je vais vous guider. Ok? Très bien. Allez, je vais vous mettre le casque sur la tête. Et je vais lancer l'environnement. Hop là. Hop. On y va. Donc, je vais mettre sur la peur du vide. Alors ça, c'est l'application qu'on voit qui est où le praticien contrôle. D'accord? Ici, il y a l'ensemble des phobies que l'on peut traiter par exposition. Et je vous mets le casque. Vous faites bien attention de ne pas tomber. Hein, d'accord? Hop, on met le casque sur la tête. Est-ce que vous voyez clair? Hop. Voilà, c'est un peu flou. Ok, très bien, c'est parfait. Allez, je vais vous mettre dans l'environnement. Allez, zouf. Ça va venir. Hop. Ok, ce que vous entendez, c'est le son de la ville. Pour l'immersion qui est très importante, je vais donner les manettes. Est-ce que c'est clair pour l'image? Si ça est un tout petit peu fou, c'est pas grave. Hein. Vous me remontiez ou vous le laissez. Comme vous préférez. Vous êtes sûr? C'est mieux? Ok. Il faut que ce soit bien en face de vos yeux. C'est bon? C'est l'image claire? Ok. Donc, on va faire un test. Je vais vous donner. Voilà, tout à l'heure. Donc, ça, c'est la main droite. Pour avancer, c'est la main gauche, pardon. Arrêtez d'appuyer. Voilà. Ici, quand vous appuyez ici, c'est quand vous voulez avancer. D'accord? Et vous la tenez. Vous pouvez mettre les mains le long du corps, il n'y a pas de souci. Je vous donne votre autre main. Qui est là. Ok. Donc, là, si vous voulez aller à droite, vous tournez physiquement sur votre droite. Tournez-vous. Voilà, et vous appuyez sur le bouton. Là, vous pouvez aller à gauche, tournez-vous sur la gauche, s'il vous plaît. Encore, voilà, et vous allez à gauche. Maintenant, je vais vous demander d'entrer vers le bâtiment qu'il y a sur la droite. Voilà. Alors, faites-moi des mouvements qui sont très lents. Voilà, regardez, ça. Voilà, avancez. De manière naturelle. Voilà, là. Ok, bougez pas. Voilà, vous pouvez. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de regarder en l'air, s'il vous plaît. Vraiment, on va monter tout en haut. On va monter tout en haut. Là, si je prends le monitor, il y a une augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la tension, augmentation de la sudation. On va commencer à monter. Je vais vous mettre directement, je vais vous mettre, par exemple, pour évaluer votre niveau, au 10e étage. Alors, face à vous, il y a une passerelle. D'accord? Ce que je vais vous demander, c'est que je vais vous demander de traverser cette passerelle. Vous sortez,
Alors, là, ce qui est important, la passerelle est quand même assez large. Vous voyez, il y a des murets de sécurité. Comment vous sentez, madame? Vous appuyez, allez-y. Allez-y, doucement. On va sortir. Allez-y. Allez-y, avancez. Avancez. Voilà. Elles vont regarder. Est-ce que vous avez remarqué comme ça suit? On est cherché. Est-ce que vous vous sentez dans la danse? Allez, appuyez encore un petit peu. Allez-y. Regardez. Ce que je vais faire, je vais augmenter le niveau de difficulté. Regardez, vous êtes toujours à l'intérieur, vous ne risquez rien. Ce que je peux faire, je passe la planche de praticien, et là, je vais mettre juste une passerelle avec une corde. Hop. Regardez. Regardez. Augmentation de la tension. Pourtant, elle est à l'intérieur. Elle le sait qu'elle est avec nous, sur scène, qu'elle est dans un endroit. Elle se sent, elle n'est pas très bien. Elle regarde. Donc ça, normalement, ça se fait en 5-6 séances, hein, avant d'arriver là. Et pourtant, on n'est vraiment pas à un niveau de difficulté. Si je fais ça, madame, bougez pas. Restez à l'intérieur parce que vous êtes vraiment phobique et vous ne voudrez pas gérer une crise de panique. Je peux enlever carrément les protections. Et elle n'est toujours pas sortie. Elle est à l'intérieur. Elle ne veut pas y aller. On va regarder. Vous allez voir, quand je vais enlever les manettes, il y aura de la sudation. Il y aura de la transpiration. Les manettes seront mouillées. Si on monitore, on voit que déjà, il y a une augmentation du rythme cardiaque. Est-ce que vous voulez sortir ou pas? Non, elle ne veut pas sortir. Et pourtant, elle est là. On va arrêter là parce qu'il ne faut pas que ça soit désagréable pour la patiente. On va prendre une autre personne. Et je vous demande vraiment de l'applaudir parce qu'elle a été très, très courageuse. Bravo. Regardez ce que vous disiez. Regardez. Les mains, ce sont les réflexes. L'hypophyse, l'amygdale ont pris le dessus et ont envoyé des signaux qui étaient des signaux faussés. Merci, merci beaucoup. Ont envoyé des signaux qui étaient faussés, des signaux de danger. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les patients. Là, c'est sûr, une peur de hauteur. Les patients qui viennent nous voir, qui viennent voir les praticiens, ce sont des patients qui sont phobiques, sur lesquels ils sont handicapés. On va faire une autre expérience, si vous voulez bien. Sur la relaxation. Est-ce que l'un d'entre vous a peut-être envie de se relaxer? Quelqu'un voudrait essayer le casque, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît. On va faire deux choses. On va faire une sur la relaxation. Hop là! Alors, la première chose, quand on va faire une relaxation, alors, on va juste faire un petit point très rapide sur les addictions. Il y en a 170 d'environnement, donc on ne va pas tous les faire parce que sinon on a jusqu'à demain, voire après-demain. Sur les addictions, voilà ce que je peux vous montrer. Avant, on va déclencher une addiction, s'il vous plaît. Vous parlez français? Vous parlez français? Top. C'est bon. Hop. Allez, si là vous êtes dedans. Ok, je vais vous donner comme madame vos mains, s'il vous plaît. Alors, main gauche. Ok, on va travailler sur les comportements d'addiction. Je vous ai montré de l'image en 3D. Là, je vais vous montrer de l'image d'abord réelle où on va pouvoir également travailler. De la vidéo. Donc là, madame est directement assise à la table des cafés et regardez sur votre gauche, s'il vous plaît. Voilà. Oh, je vais essayer de regarder sur votre gauche, s'il vous plaît. Voilà. Regardez les bières, s'il vous plaît. Ici, on a fait l'addiction au produit. C'est là où je travaille sur la prévention de la rechute. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez soif? Je crois que madame n'a pas de problème d'alcool, donc ça va moins marcher que d'un problème de hauteur. Mais c'est sur ces envies qu'on va pouvoir travailler et enseigner qu'il puisse avoir un comportement d'évitement face à une situation. Est-ce que vous pouvez regarder à droite, s'il vous plaît?
L'alcool est souvent lié au tabac. Donc, dans les protocoles, il a été demandé de mettre des gens qui fument. Alcool, tabac égale plaisir. Plaisir pour contrôler les schémas d'addiction. Cassilien, expliqué. Farage. Donc, on reprend. Donc, ça, pareil, donc il y a l'alcool. Mais on peut aller sur des addictions qui sont beaucoup plus dures. Par exemple, donc là, on est sur la gestion. Écartez un petit peu les bras. Hop, voilà. On est sur la gestion du craving avec la cocaïne. Comment on va se faire un trait, comment on va pouvoir reprendre ces gestes qui sont, on peut aller plus loin. Donc là, elle est dans un appartement. Ce qui me rassure, c'est qu'elle est plus attirée par l'appartement que par la cocaïne. Dans ce cas précis, c'est plutôt bon signe. Bien qu'il n'y aurait jamais eu de jugement, s'il y aurait de quoi à la soigner en présence de nos professeurs. Et comme je vous l'avais promis, puisque d'abord j'étais venu au départ pour se relaxer, je mets en relaxation. La première chose à demander au patient, c'est au niveau de la relaxation, où il a envie d'aller. Ça, pour l'instant, elle ne voit pas. Là, je suis sur l'écran praticien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les protocoles, il a été demandé de faire bord de mer, et il a été demandé de faire sous l'eau, etc. Mais si vous n'avez pas le lien avec votre patient, qui sait s'il n'a pas peur de l'eau ou qu'il n'a pas vécu un épisode de stress post-traumatique sur une plage? Donc la première chose à demander, c'est « Madame ma patiente, où voudriez-vous aller? Au bord de mer? Dans l'espace? Sous l'eau? » Dans l'espace. Pareil, l'espace peut être particulièrement anxiogène pour une personne qui a peur de l'abandon. Parce qu'elle va se retrouver comme un astronaute, tout seul dans l'espace. Je vais vous mettre ici. Donc, installez-vous, respirez, et on est parti. À ce moment-là, alors imaginez, levez, voilà. Donc, imaginez, elle est bien. Ça va, vous êtes bien? Elle est super bien. Et à partir de là, on va pouvoir travailler avec soit de la musique, alors il faut savoir que cette musique a été faite avec des neuroacousticiens, c'est-à-dire certaines fréquences qui travaillent sur la plasticité cérébrale et sur lesquelles on va pouvoir réellement se relaxer, avancer. Vous imaginez que quand on est avec des patients qui sont en oncopalliatif, qui ne peuvent pas sortir de chez eux, qui sont dans des situations, elles ne nous entendent pas, qui sont dans des situations qui sont des situations terribles, de pouvoir avoir des moments d'évasion, de se trouver ailleurs, le bénéfice que ça peut avoir. Mais on travaille également en hypnose. Le rêve, ce serait d'avoir un praticien d'hypnose, un patient. Ça, c'est pas possible. Que ce soit en France, en Espagne, où vous voulez. Mais là, on peut travailler avec une voix. Bienvenue. Qui est de l'hypnose médicale. Qui va vous permettre vraiment de vous relaxer. Tout le temps dont vous avez besoin pour vous sentir. On a fait des études cliniques dans le cadre de l'urologie. On a travaillé pour découvrir et profiter de ce moment. Lithotripsie, cytoscopie. Prenez le temps. Sur des patients qui n'avaient plus besoin d'antalgique et d'analgésique. Sur votre nasse et de confiné. Sur les choses. Ça facilite le chirurgien. Et on y va plus loin. Ouvrez le champ. Voilà. Donc c'est à ça que ça arrive. Non, le numérique n'a pas que des défauts. Le numérique peut aussi aider à soigner et aider à la prise en charge. Je vous remercie beaucoup. Et en regardant. On peut continuer, on la laisse. Hein. C'est pas difficile. Voilà. Chaque élément sur lequel. Merci. Voilà. Comment? Oui, on va passer à cette question-réponse. Est-ce qu'il y a des questions dans
¿Es eficaz este tipo de tratamiento para las personas que acumulan demasiadas cosas o que son incapaces de desprenderse de todo lo que han acumulado? Alors, il y a des études qui ont été faites au niveau des TOC, au niveau des troubles obsessionnels compulsifs aujourd'hui, qui sont sur des TOC d'impulsion. Il n'y a pas encore eu d'étude qui a été faite, selon moi, selon la dernière revue de littérature, sur les accumulateurs. Mais il y a, si ça fonctionne sur les TOC d'impulsion, il peut y avoir des pistes pour les accumulateurs, je pense. Parce que vous pouvez également travailler avec les propres images des patients. Je vous explique. Sur certaines problématiques, comme des phobies spécifiques, il n'y avait pas assez de demandes pour qu'on fasse des environnements. Donc on a travaillé sur des environnements où le patient peut prendre en photo chez lui et travailler sur ça. Donc c'est une nouvelle piste de recherche, mais à ce jour, ça n'a pas encore été démontré et ça n'a pas été fait. Mais pourquoi pas. Moi j'ai une question. J'ai vu que vous aviez dans les plans possibles l'hémétophobie, ce qui est mon cas. Ouais. Et je voudrais savoir, vous faites voir quoi aux patients? Alors, l'important, donc l'hémétophobie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la peur de vomir. Hein. C'est une peur vraiment phobique de vomir. La gradation commence avec du vomi qui est suggéré, c'est-à-dire qui est au loin. Et après, vous allez venir dans la graduation, c'est-à-dire au plus vous allez travailler, le vomi va se rapprocher, et vous allez être mis en situation. Après, vous allez être dans une situation où vous êtes avec quelqu'un qui est en train de vomir à côté de vous, ce qu'on a relevé. Et le dernier stade, rien d'en parler, elle n'est pas bien, pareil, je suis intervenu. Et la dernière stade est d'être à la place de quelqu'un qui vomit, pour lequel c'est vraiment terrible. Mais la peur de phobie, de vomir, l'hémétophobie, il y a quand même un taux de prévalence qui est assez important, hein, sur le taux de prévalence, je ne sais pas si on l'avait pour ça. Mais il y a un taux de prévalence qui est assez important, et c'est un vrai handicap pour certaines personnes qui s'interdisent même de manger. Oui, hein. Oui, on n'a pas les chiffres, mais... Quería saber si cuando utilizas estos métodos de realidad virtual también medicas al paciente y si esto también serviría para enfermedades como esquizofrenia y si sería eficaz para el insomnio. Je vais laisser répondre par elle. Sur la prescription au niveau de la médicamenteuse qui vient en complément. Pour les médicaments, on peut très bien imaginer des protocoles de réalité virtuelle chez des patients qui sont traités pour des pathologies diverses, mentales et autres, qui prennent déjà des médicaments. La réalité virtuelle peut être complémentaire. Donc ça ne pose aucun problème pour des personnes qui prennent des médicaments, tout en continuant un programme de réalité virtuelle. Maintenant, pour le problème de schizophrénie, il y a des programmes qui sont spécifiques de réalité virtuelle et schizophrénie qui sont bien étudiés. Parce que pour la schizophrénie, c'est vrai que le virtuel peut constituer une thématique délirante. Il faut que le patient soit bien stabilisé. Si un patient est bien stabilisé, c'est qu'il faut qu'il soit dans un programme de soins. Il faut qu'il prenne son médicament, ses traitements régulièrement, et ça ne devrait pas poser de problème. Il y a beaucoup de programmes de rééducation sociale qui sont appliqués chez des patients schizophrènes avec de très bons résultats aussi. Si me permite, respecto a la utilización de medicamentos, en las fobias simples,
no están indicados los psicofármacos. En las fobias simples, el tratamiento de elección es lo que ellos han planteado, es terapia psicológica y de elección, la exposición en vivo o en realidad virtual. Para las, la fobia social moderada o grave, los estudios dicen que la combinación de antidepresivos con terapias cognitivo-conductuales, la combinación de los dos son, es más eficaz, la combinación de las dos estrategias que o solo fármacos o solo psicoterapias. Oui, et pour également rajouter, comme je vous ai dit en préambule, la réalité virtuelle ne soigne pas, ça vient en complément, donc elles ne sont absolument pas antinomiques avec la branche médicamenteuse, surtout sur le. Non, je voulais juste savoir, quand vous aviez parlé de l'addiction aux séries, si c'est vraiment une addiction qui a été vraiment définie ou si c'est vraiment un mal du 21e siècle, on va dire. Parce que pour un oracle, moi j'ai une application sur mon portable. J'ai une application sur mon portable en fait, qui me permet de voir combien de temps j'ai passé à regarder des séries dans ma vie. Donc du coup j'ai regardé, j'avais pas regardé depuis longtemps et là je suis à plus de 3 mois de ma vie à regarder des séries. Mais du coup ce que je fais quand je regarde ces séries c'est que je les regarde pas. J'entends le bruit et je vais à manger, je travaille, je prends ma douche. Enfin, mais par exemple j'ai énormément de mal à travailler et à me concentrer maintenant si j'ai pas une série allumée ou de la musique. Mais pourquoi une série? Alors, imaginons le scénario où vous n'avez pas de série. Vous avez tout regardé, et puis il y a les saisons qui n'ont pas encore démarré. Il y a des saisons qui sont annoncées, mais qui ne sont pas encore là. Donc vous êtes en attente. Là, je trouve une autre. Voilà, là, vous trouvez une autre. Alors, en gros, là, pour vous répondre bien comme il faut, c'est vrai que l'addiction aux séries n'est pas encore admise dans la classification internationale parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves scientifiques. Par contre, on peut parler de compulsion aux séries. C'est vrai, ou le fait de regarder d'une façon compulsive, ça existe vraiment. Après, il y a des questions qui ont trait directement aux addictions. C'est la personne qui est incapable d'arrêter si elle regarde uniquement deux épisodes et puis qu'elle se dise « je regarde le reste le lendemain ou la semaine prochaine ». Actuellement, ce qui pose vraiment problème, c'est les sites un peu de streaming ou des téléchargements. On peut disposer de toute une saison, et c'est la capacité à regarder un épisode par jour, un épisode par semaine, et de différer le reste, de le regarder progressivement, comme le proposent les chaînes télévisées. Généralement, Game of Thrones ou Casa del Papel, qui sont les plus populaires actuellement, c'est vrai que quand elle sort à l'heure américaine ou à l'heure espagnole, parce que Casa del Papel est espagnol, c'est une fois par semaine et tout le monde est en attente de la suite. Au fait, ce qui est vraiment important, pour qu'on reste un peu justement dans le goût de plaisir, c'est cette attente, c'est toute l'excitation d'attendre la semaine d'après pour voir ce qui se passe par la suite. Par contre, quand on a une saison toute entière, qu'on est seul à regarder et puis qu'on a envie de savoir et qu'on ne peut pas résister, on clique directement pour l'épisode suivant pour le regarder et ainsi de suite. Et il y a des gens d'une façon compulsive qui peuvent regarder une saison en une nuit et ainsi de suite. Donc en fait, c'est pas une addiction encore pour qu'on soit clair, mais par contre, il y a des comportements compulsifs qui sont avérés aux addictions. Par contre, ce qui revient, c'est exactement ce que vous dites, parce que maintenant il y a des applications, il y a des études. On mène aussi une étude en France comme ça, donc avec plusieurs universités. On est en train d'étudier le nombre d'heures. Le nombre d'heures passées à regarder les séries télévisées, parce qu'il y en a énormément. C'est un phénomène de mode. Au fait, actuellement, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent les séries plutôt qu'un film. Un film qui dure 2 heures, presque le niveau attentionnel, on ne peut plus regarder des films très longs. La consommation d'écran, qu'elle soit le portable, le smartphone, les tablettes, l'ordinateur, ce qu'on a vu sur le plan neurocognitif, c'est qu'elle diminue le niveau tensionnel.
Et dans les 10 dernières années, par exemple, chez les enfants, on est passé d'un niveau attentionnel, on peut être concentré pendant 11 minutes, et actuellement, on est arrivé à 8 minutes uniquement, et les gens décrochent. C'est tout le souci, finalement, de regarder quelque chose et de pouvoir passer à autre chose qui est exactement nécessaire. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Muchas gracias por todas las presentaciones. Quería hacer una doble pregunta, una sobre el que se refiere a la fobia a volar. Si podría explicar brevemente en qué consiste la formación de esa fobia y cómo se aplica la realidad virtual para luchar contra dicha fobia. Bueno, como le agradezco que me haga esta pregunta. Como dice usted, la fobia a volar es una de las fobias en las cuales en el inicio de la fobia suele haber un condicionamiento, una exposición. Es muy frecuente que las personas que tienen fobia a volar hayan tenido una mala experiencia en alguno de sus vuelos. Y a partir de esa mala experiencia el sujeto comienza a evitar. El elemento fundamental para la creación de una fobia es la evitación. Cuanto más evitamos, la fobia se hace mucho mayor. Entonces, ¿cómo aparece la fobia a volar? Habitualmente, porque ha habido una mala experiencia previa. Luego el individuo, si usted se fija, la mayor parte de personas que tienen fobia a volar están siempre muy pendientes de las noticias sobre accidentes aéreos y les dice a sus compañeros, ¿no decíais que no pasa nada con volar? ¿Veis lo que ha pasado en Atlanta? ¿Veis lo que ha pasado en...? ¿No? Entonces se va condicionando leyendo noticias que tienen que ver sobre el vuelo. Insisto, hay ¿cuál sería digamos, la base psicofisiológica o genética? Lo que sabemos es que en la mayor parte la heredabilidad de las fobias tiene que ver con personas que heredan una predisposición a evitar o a tener muchísima ansiedad y a evitar rápidamente, ¿no? Entonces, una vez que el sujeto ha tenido una mala experiencia, el sujeto empieza a darse cuenta, estar atento a las noticias de accidentes aéreos, a evitar, a evitar, a evitar, y cuanto más evita, esa es la génesis de la fobia. Y como ha comentado mi compañero, le voy a dejar a él que se explique, pero la exposición que siempre hacíamos, hay compañías aéreas que por ejemplo, Iberia, ¿no? En nuestro país, tenía programas para descondicionar el miedo a volar y lo que han hecho ellos con realidad virtual es lo que, como bien decía, lo que cualquier psicólogo podría haber hecho en meses, ellos lo consiguen hacer en semanas, ¿no? Oui, le principe est qu'une dizaine de séances sur, en gros, hein, selon en fait s'il y a des comorbidités pathologiques ou autres, et en une dizaine de séances, il peut y avoir de très très bons résultats. Je parle des travaux du docteur Eric Malbos, le grand spécialiste de la réalité virtuelle et l'un des précurseurs en France. L'idée, c'est de faire d'abord les méthodes de psychoéducation, d'apprentissage, comment ne pas être dans l'évitement, le faire en thérapie de groupe, en fait, des groupes de 5-6 pour apprendre la méthodologie. Et après, commencer sur l'exposition, qui est une exposition qui va être très progressive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le schéma, hein, on va la prendre en direct. Hop, je vais vous le montrer. Directement, c'est-à-dire que quand on commence l'exposition au niveau, hop, ici, niveau d'exposition, des peurs. Ok, on va passer les fêtes hein, de travailler sur la préparation des bagages, etc. On va aller directement dans l'aéroport. Allez, foot. Ok. Voilà. L'anxiété.
pour un patient qui va être qui va avoir une aérobophobie, elle va commencer ici. C'est-à-dire qu'elle va commencer dans un premier temps au niveau du passage de sécurité. On remonte et c'est comme on a fait regarder tout à l'heure à madame qui avait la peur des hauteurs en disant regardez en l'air, dès l'anxiété commence ici. Vous allez pouvoir rentrer, passer les contrôles de sécurité sur les schémas foncés. Vous allez voir, est-ce que l'agent, s'il y a un agent, c'est qu'il y a forcément un problème. Sinon, il n'y aurait pas de contrôle de sécurité. Donc déjà, le comportement d'anxiété commence à monter. Et à partir de là, vous allez vous retrouver dans l'aéroport pour après pouvoir, quand je veux programmer, je vais aller directement dans l'entrée de l'avion, donc là je vais accélérer, tac, choisir, est-ce que je choisis un avion vide, un avion plein, etc. Ou je vais pouvoir aller vivre le décollage. Donc là vous voyez qu'on a utilisé, attends, je mets le doigt, on a utilisé de l'image réelle. C'est-à-dire que vous avez à la fois de la 3D, d'accord ? Mais l'extérieur est en image réelle pour revivre les sensations. Et après, vous allez monter en difficulté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, avec les sons, les sensations. Si on va aller plus loin, on pourrait prendre un simulateur de siège, un vivant, pour aller vraiment plus loin. Et les personnes sont réellement pas bien. Il y a une évaluation du sentiment de l'échelle d'anxiété, hein, qui sont des échelles qui sont validées en thérapie cognitive comportementale. Cette évaluation fait qu'il y a une réelle diminution après de l'anxiété qui est quelque chose de mesurable. En marqueur, en biofeedback, on a pris aussi rythme cardiaque, tension, sudation, et il a été démontré avec des PET scans en fin de séance que les zones occipitales et préfrontales, dont on a parlé tout à l'heure, étaient activées comme on l'aurait le cerveau lui-même. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question par la démonstration. Oui, bonsoir. Une question à Situker. Est-ce que vous avez utilisé votre méthode par la réalité virtuelle, justement avec des patients qui souffrent d'une addiction à la VR ? Je pense en particulier aux jeux vidéo. C'est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Je n'ai aujourd'hui aucun hôpital qui a dit « on y va ». Mais par contre, c'est des choses qui peuvent être utilisées parce qu'en soi, l'exposition en elle-même représente la pathologie. Donc, on est exactement dans le même schéma, ça pourrait être utilisé. Est-ce que tu as un point de vue sur ça, mon cher Farid ? Alors, on peut soigner une addiction par l'outil même dont on est addict, quelque part, mais à condition, encore une fois, de travailler sur le côté compulsif. C'est de travailler sur ce côté craving que je disais, parce que maintenant, c'est devenu, il nous est apparu que le craving est l'élément déterminant de toute addiction, qu'elle soit due au produit ou fait ou bien au comportement. Donc on peut soigner par du numérique les addictions dites numériques, à condition de travailler sur des critères de compulsion, à faire apprendre aux gens que l'outil, d'abord en soi-même, n'est pas diabolique, que ce soit le smartphone, internet ou autre, c'est pas diabolique, l'utilisation a un énorme service. Mais il s'agit de travailler ce côté compulsif ou bien de savoir s'arrêter. S'arrêter dans le temps, travailler une heure, deux heures uniquement, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de savoir s'arrêter une fois qu'une tâche est bien finie. Chez les jeunes, par exemple, qui font les jeux en ligne, c'est très très difficile de s'arrêter. Parce que, comme vous le savez, donc si vous avez des enfants, vous laissez votre enfant jouer pendant une heure, ils jouent à des jeux très très connus compulsivement, et généralement, ils ne s'arrêtent pas au bout d'une heure. Il faut l'arrêter, sinon il va continuer un peu de soi-même. Donc, mais si vous le laissez continuer, ça peut devenir nos limites. Et c'est vraiment le problème justement qu'on a par rapport à ça. Il faut savoir identifier des tâches, de dire, il faut qu'il joue, arriver à un certain niveau, s'arrêter pour aujourd'hui, et non pas continuer encore. Par contre, quand j'ai interrogé l'industrie des jeux vidéo, des gens qui fabriquent des jeux vidéo, je leur ai dit quel est le concept. C'est vrai qu'ils sont venus nous chercher pour une réflexion commune, nous spécialistes d'addiction. Ils nous ont clairement dit, dans leur stratégie de développer des jeux,
c'est aussi de rendre addict. C'est qu'on consomme toujours, qu'il y ait des niveaux tout le temps illimités. Je ne sais pas si vous connaissez Candy Crush par exemple, pour la plupart c'est infini. Il y a encore des niveaux et des niveaux jusqu'à devenir vraiment d'une façon très très compulsive à jouer. Et dès que le moindre temps libre, on essaie de le consacrer à ça. Les jeunes nous disent, j'y pense pas, c'est une fuite, c'est un refuge. Un peu comme vouloir mettre son cerveau en déconnexion, mais on est dans un autre monde, on est dans un ailleurs, dont on devient addict. Et c'est là le problème quand des jeunes ont des difficultés autres, problème de dépression, un mal-être, et ben le jeu va leur servir justement d'un en fait, refuge. L'idée c'est de le repérer précocement pour pouvoir démarrer le traitement. Il y a beaucoup de gens qui nous disent en France, mon enfant ne sort pas, c'est pas un délinquant, il est à la maison. Au fait, il s'amuse. Mais ils ne se rendent pas compte que progressivement, il augmente les heures consacrées au jeu et progressivement, c'est vrai qu'il développe une vraie addiction à cause d'un mal-être psychologique certain qu'il faut aller chercher et qu'il faut aller trouver. Derrière toute addiction, il y a quelque chose qui se cache quelque part et qu'il faut trouver pour pouvoir, en fait, pour pouvoir soigner. Merci. Bon. Nous allons clore les questions et la conférence. Nous remercions très chaleureusement tous les conférenciers pour ce très bel événement et merci à tous d'être venus. Nous vous souhaitons une bonne soirée.